Salut tout le monde, c'est Loki sera le 4 et on continue la campagne. On s'est arrêté à la deuxième mission, du moins pour moi. Donc là on entame la deuxième session. Chargements sont vraiment classe quoi. Le DT qui tue. Ok, nous en étions là. Attendez, je règle juste ma manette, le bouton. Parfait. On s'était arrêté là. Invisible. Alors je reprends les commandes parce que avec mon ami Flamlican nous avions enregistré du Halo 3DST. Mais ma manette a changé. Ah, c'est normal, je sais, c'est mon petit frère qui a joué. Roi de la gâchette, par défaut 4-4, nickel. Donc là, théoriquement on saute, on vise. Et on tire. Okay. Les éclaireurs sont en train de consolider le front en bas. Restez vigilants. Oulala, oulala. Non, je peux pas débarquer par le petit monde là, non. Ok, ça c'est fait. Alors lui il est bugué, il bouge pas. Oh yes, nous avons un fusil à chier. Et nous allons les violer. Hop là. Headshot, headshot, headshot. Et le grand méchant. Oh là là, le type nous a fait de cabri là. Ok. Est-ce qu'ils volent ou est-ce qu'ils sont en dessous? Je ne sais point. Ils sont en dessous. Ok. Oh, c'est vraiment magnifique le pont. La façon dont il est designé, c'est un délire. Et maintenant t'es mort. Ok, je peux devenir invisible. Oh là, magnifique. Là. Allez, viens tuer. Merde, une mission. Allez, bien tuer les chefs de clan, c'est bien. Chefs d'escadron. Parce qu'après ils sortent partout, c'est le bordel, c'est beaucoup plus rigolo. C'est plus facile à jouer. Là. Bon là il est pas mort, il a récupéré tout son bouclier comme un petit sel. Donc là... Ah oh là, il met des esquives de greu mais magnifique. Voilà, il est mort. Et je récupère la même arme. Ah ouais, elle est vraiment puissante cette mitrailleuse. Oh c'est magique. C'est mal. Oulolo, qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que ce mec derrière moi d'ailleurs? Allez gaffe, vous pouvez venir hein, quand t'es derrière moi. Je peux vous mettre des grosses grenades. Maintenant le véhicule est beaucoup plus agressif hein, par rapport à avant. Ah, c'est moi qui suis. Ouais. Depuis Halo 3 là, et Halo 2, toujours les petits grognards qui suicident avec deux plasmas dans les mains, ça c'est mortel ça. Faut faire genre trop gaffe. Boum! Ça c'est fait. Oh, ça l'a détruit violent. Wow. On se concentre sur le chef pour l'instant. Ok. Solution. Par contre, il y a un banshee qui campe au-dessus de moi, ça me fait super peur. Oh! Il a aussi à choper un banshee en pleine Major, campagne. Le réseau devant une Covenant porte. S'affole. Ils ordonnent à toutes les unités de se rendre à la cour. Je crois qu'on a attiré leur attention. Ah, bah, il me l'a repris.
J'ai réussi à en prendre un et il me l'a repris quoi. Oh le truc ultra épique. J'ai eu beaucoup de chance hein, les amis, pour réussir à faire un tel truc, puisqu'il s'était bloqué dans une porte. Yeah, la classe. Ah, tiens, la porte. Nom de la mission. Salut les amis. Ah oui, il me parle bien en fin d'autre langue, c'est bien ce que je disais. J'avais un doute. J'avais un doute sur un autre ODST, mais ils parlent leur langue bizarre qui justement je l'ai dit très flippante, qui me faisait très peur. J'aimerais bien te prendre toi. Viens. Voilà. Toi tu rentres pas dedans. Voilà, super. Avec les véhicules, c'est toujours carrément facile. Ah, il me dit comment faire des acrobaties en banshee alors que je suis en gauche. C'est génial. Hop là, je t'ai écrasé bien avant. Oulala, oulala. Oulala. Ouais, t'es méchant. Ah, oh, je t'ai violé, tu t'es envolé comment. Ah, ça c'est vraiment stylé de rentrer dans le banshee. Enfin, c'est drôle et c'est vraiment con. Cool, par contre, faut pas se rater comme je viens de faire parce que c'est assez ridicule. On peut aussi les écraser en marche arrière. Et ça c'est le niveau supérieur. Oh et c'est le big 360 magnifique que je viens de vous réaliser pour vous. J'ai été entraîné des années durant. Salut toi. Bon là pour l'instant il faut savoir que je suis en normal. Hein. Yes, de la munition. On peut plus prendre des véhicules en invisible, je crois que c'était possible dans le roof. Il a le méchant, il est rechargé. C'est tout pour le tout. Yes, je l'ai eu. Et vous voyez là, c'est fait noir, il s'affole. Et je fais un joli combo. Dégueulasse, leur cri là. On dirait des fourmis géantes en fonction de ce qu'ils ont sur le dos, c'est. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Oula. On va avoir de quoi s'occuper. Oula. Les élites viennent juste de donner l'ordre à toutes leurs équipes au sol de sécuriser l'entrée de la tour au-dessus de nous. Ça fait peur ça. Attention, est-ce que je vais faire une épique action? Non, elle m'a vu. Pardon. J'ai tenté l'assassinat du boss quand même. Avec mon camouflage invisible. Oh non, j'aime pas je t'aime pas toi le mec à soir. Pas comme dans l'épisode 2 où j'étais mort vulgairement. À cause de ce mec là. Tiens pour rappel, j'ai tué ton pote avec. Voilà, ça c'est fait. Par contre ça éclaire et on voit que dalle quand on vient de soir. J'ai l'impression d'être accroupi là. Hop là, toi t'es mort, toi t'es mort, toi t'es mort. Et toi t'es mort. Ok. Alors là j'ai géré parce que j'aurais pas tué le boss pareil, il m'aurait détruit. Merde, ouais, il me reste plus qu'une sorte. On tape une munition de sword. Parce que oui, il y a des munitions sur la sword. Là, je t'ai collé au pied, de mort. Ouh, le coup de snipe qui m'a mis. C'était du snipe qui avait. Qu'est-ce que c'est ? Je connais pas cette arme. Je crois que c'est le. Ah si, c'est sûrement leur sniper. Il me faisait penser au fusil qui tirait en constamment du laser. C'était super chiant mais. Ah ouais, c'est le sniper. Il fait plaisir. Ouais. Bon, on va se faire comme ça. J'ai sauvé mes amis.
Oh, les hunters. Les méchants hunters. Les hunters dans le dos, retourne-toi. Non, c'est pas c'est bon. Les sentinelles tentaient d'empêcher les covenants d'entrer. Non, tu es pas mort. On va bien tomber dessus là. Ouh, je suis passé juste en dessous de lui là. Allez, faut pas mourir. On est sur ces méga balles de la mort. Ah, il y en avait un deuxième. Oh, il m'a détruit. Ok, c'est reparti. Je vais faire le sniper. Voilà, donne-moi ton arme. Donne-moi tes grenades. Donne-moi du gros hunter buté là. Les sentinelles tentaient d'empêcher les covenants d'entrer. Allez, meurs. Ah, je t'ai niqué ton dos là. Je sais pas si en réalité elles font quelque chose des sentinelles, hein, parce que c'est tout ce qui est censé leur lunettes là. Technique c'est de monter sur le bord comme ça. Ça un peu plus. Tout en surveillant le deuxième. Ah voilà, j'en ai eu un. Il faudrait carrément faire toucher la tâche là. Voilà. Il fallait prendre vraiment le flanc. Pendant que vous étiez occupé, voilà. J'ai capté une autre transmission de l'Infinity. On dirait qu'il a dit artefact. Je me demande si ce n'est pas lié à ce que cherchent les Covenants. Sûrement. Où est Terminus? D'après la carte, il se trouve en haut de la tour. Bonjour les amis. Oh, c'est dingue comme il est beau. Ah, cette musique, comme d'hab. Hein. Ils sont à la hauteur de ce qu'ils valent, j'ai envie de dire. Dis-moi que tu vas me faire un pont magique. Non. Presque, un ascenseur magique. J'ai failli me faire écraser violemment d'ailleurs, en passant. Oh là là, c'est trop la classe. Je vais vers la lumière. D'après la cathédrale, la station Terminus ne serait rien d'autre que le nœud d'une grille de transport entourant la planète entière. Quoi ? Quand j'ai voulu accéder au nœud le plus proche des transmissions de l'Infinity, voici ce que le système m'a renvoyé. C'est quoi ? C'est un glyphe. Le symbole Forerunner pour dépositaire. Les hommes, ce doit être l'Infinity. On peut rejoindre ses coordonnées ?
J'essaie d'ouvrir un portail. Cortana. Je détecte des signatures énergétiques inconnues. Où ? C'est pas possible. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Je crois que c'est dans la merde. Sur la tour. Cortana. Comment ? Vite, au portail. Major, vite ! Mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et ça se TP en plus. C'était quoi ces choses ? On dirait des sortes d'IA de défense avancée. Elles sont sûrement liées aux sentinelles. Difficile d'en dire plus sans un examen approfondi. Bon, allons voir où ce système de transit nous a conduit. Ok, et bien c'est sur cette mission épique et ce portail qui nous a sauvé la vie que nous allons nous quitter. Et bien c'était un épisode de Halo 4 avec Lucky Shot. Rendez-vous pour le prochain épisode sur Scarlet Production.